Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Cleaver Cager. Aujourd'hui, on reçoit deux invités de marque de Ken Business School. D'un côté, Monsieur Perrol, prof de MOSI, Management des Opérations et Systèmes d'Information. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous. Et de l'autre côté, Monsieur Pelazza. Bonjour. Le symbole du cours entreprise, les amphis le lundi matin. Voilà, est-ce que vous allez bien? Lundi matin à Marseille, mardi matin à Bordeaux. Ouais, exact, ouais. Petit coucou pour les Marseillais. Du coup, je vais laisser Forum Events présenter le jeu et les règles. Bonjour, bonjour Spartite. Donc, les règles du jeu sont très simples. Donc, on va vous poser 10 questions. Si vous voulez répondre à la question, si vous avez la réponse, vous dites Perrol ou Pelazza, Pelazza ou Perrol. C'est le buzzer. Voilà, c'est le principe du buzzer. Et donc ensuite, si vous arrivez à égalité, vous avez une question bonus, la 11e petite question. Et sinon, celui qui aura le plus de bonnes réponses gagnera la partie. Donc voilà, on peut commencer. Donc la première question par Auriane. Oui. Alors, dans quel pays Emiliano Zapata a-t-il œuvré pour renverser le pouvoir en place? Pelazza. Oui, Mexique. C'est ça. Et déjà une bonne réponse. Un point pour Monsieur Pelazza. Bien joué, bien joué. Ensuite, deuxième question, une question un peu européenne. En quelle année a été fixée la valeur, j'ai bien dit la valeur, de l'euro? En quelle année? Pelazza. Oui. 1999. Bien joué. Bonne réponse. Une deuxième bonne réponse. C'est une deuxième bonne réponse. Quel jour précisément? Je crois que c'était en fin d'année, parce que j'ai fait ma carte de vœux là-dessus à l'époque. Mais... c'était exactement le 1er janvier 1999. Ah oui, c'était le début de l'année, ouais. Ça me rappelle un truc. Mais moi, ah oui, j'étais en fait, un peu jeune quand même. Non, en fait, oui, c'était mes vœux 99, effectivement. Voilà. Et que j'ai donc fait ma carte début janvier, non pas fin décembre. Du coup, 2-0, 2-0 pour Monsieur Pelazza. Troisième question. Troisième question, une occasion pour Monsieur Perrol peut-être de se rattraper. On va voir. Quel végétal a été l'objet de la première bulle spéculative au cours du XVIIe siècle? Perrol. La tulipe. Oui. Très bien. Bien joué. 2-1, toujours pour Monsieur Pelazza. Voilà, et maintenant une question un peu plus littérature. De quel roman la marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont sont-ils les personnages principaux? De quel roman? Le titre du roman. Pas de il l'a sur le bout de la langue, oui. Il est en train de réfléchir. Et oui. C'est marquise de Valmont, c'est... Voilà, ça a été adapté en film. Il y a même eu une espèce de parodie. Un classique épistolaire de la littérature française. Exactement. Non, j'arrive pas à m'en sortir. C'est un jeu de mots qui est utilisé quand on fait des fautes de grammaire. Voilà. Moi, j'utilisais pas ce jeu de mots-là. Moi non plus, apparemment. Là, vous m'avez plus perdu, en fait. Est-ce que c'est un forfait? Si on vous dit Coderlo de Laclos, vous répondez? Choderlo de Laclos. Ouais, Choderlo. C'est vrai que c'est Choderlo, quoi. Bon, j'ai toujours des Choderlo, mais c'est les liaisons dangereuses. Ah, voilà, bien joué. 2-2 du coup, remontée de égalisation de points à 2. Exactement. Cinquième question. Question sport. Quel numéro portait Zinedine Zidane lors de la Coupe du Monde 2006? Pelazza avant. Pelazza. Ben, le 10. Le numéro 10. C'est un peu la question fastoche. Ben, c'était une question de vitesse là. Ouais, on dit, je vais pas y répondre direct, puis non, ben, c'est le nom qu'il faut dire. Ensuite, une question... 3-2, hein, je rappelle, pour Monsieur Pelazza. Exactement. J'ai raté les scores. Une petite question cinématographique. Qui a réalisé le film Les Tontons Flingueurs? Ça rappelle des souvenirs. Georges Lautner. Ça partait bien. Pelazza, Georges Lautner. Oui, c'est juste. Voilà. 4-2. Voilà. 4-2 pour Monsieur Pelazza. On continue avec la 7e question. C'est exactement. Ça. Alors, question à la fois géographique et historique. Quel pays était anciennement nommé la Perse? Perrol, l'Iran. Oui. Ouais, très bien, très bien. Et c'est serré aujourd'hui. 4-3. Ensuite, une question encore cinématographique. Quel acteur français avait le premier rôle dans le film de Visconti, Le Guépard? Pelazza, Alain Delon. Ah, bien joué. Il est rapide. Là, il y a du réflexe. Ouais. Ça fait 5-3, c'est ça? Exactement, c'est ça. Voilà. On retourne vers l'Amérique du Sud. Là, cette question peut déjà être décisive. Exactement, c'est vrai. Quel était le surnom du dictateur Franco? Perrol? Oui. Non. C'est déjà bien. Si je peux me permettre, c'est l'Espagne, pas l'Amérique. C'est l'Espagne, c'est pas l'Amérique. Pardon, autant que moi. Voilà, pour en venir se disqualifier. Pelazza et le Codillo. C'est ça. Non, bien.
Bien. Allez. Tu fais 6-3. Exactement, 6-3. Bon, une dernière question pour la route. Pour le baron d'honneur. Voilà. Dans quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été brûlée? Le facile, Pérol, Reims. Rouen, du coup, point pour voilà. Point pour Monsieur Pelazza, ça fait 7 à 3. Bah oui. Victoire pour Monsieur Pelazza. Vous avez... prochain challenge, Rouen. Ouais. Moi j'aurais aimé des questions sur le Canada, l'Amérique du Nord. Non, là vous avez rien mis là. Rien du tout. On va prendre en compte ces remarques, on va essayer de faire des questions dans ce rap pour la prochaine fois. Ouais, on va faire pour la spéciale Québec. Ah, ce serait pas mal ça. Là, je suis d'accord. D'accord, la spéciale Québec, on la fera. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé et d'avoir aussi bien compris le concept du jeu, d'avoir été là. Pour vous féliciter, on a deux lots pour vous. Voilà. Merci. Et merci. Voilà, vous avez donc un numéro du journal Le 1, mais aussi le numéro de Forum, le journal créé par Forum Event. Mm-hmm. Et avec ça, vous avez des stylos, des Eco Cups. C'est merveilleux. Voilà. C'est parfait. Vous avez très utile. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir participé. Merci beaucoup. Et merci Startit.